Allez, salut tout le monde, c'est Tage Récupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de notre aventure 100% sur Mario vs Donkey Kong. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous du coup, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement terminé la jungle Donkey Kong dans lequel on avait affronté notre boss. Et donc on avait commencé le monde de la montagne de feu, qui est un monde un peu plus chaud, c'est un jeu de mots. Tout simplement, donc on va essayer de le finir aujourd'hui, ça serait bien. Et du coup, bah, let's go, on va essayer de terminer ce monde-là pour aujourd'hui. Et du coup, bah, avec le quatrième niveau. Here we go. Mais le niveau de la lave qui monte, je déteste ça, c'est concrètement, c'est une horreur. Par contre, pensez qu'on peut... Ouh là là. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Je vois pas trop ce qui... Il y a un cadeau, ok, le cadeau il est là. Ok, le cadeau est là. Et elle est où la clé? Ah non, elle est là, en haut la clé. On l'a vu tout à l'heure, en haut à gauche. La clé. Du coup là, ça veut dire que évidemment il faut refaire le parcours inverse. Peut-être voici dans une version un peu plus hardcore. Merci. Ok. Tac, tac, tac. C'est un escalier en fait. Voilà, c'est bon. Allez, let's go. J'aime ce niveau. Ouh, niveau très vertical. Ça veut dire que la lave va monter, ça tient. Ok, donc là, il y a la vie là. Il y a le cadeau là. Il y a l'autre cadeau. Qui est en bas. Alors du coup, si le cadeau est là, ça veut dire que la lave va pas monter finalement. Parce que sinon, si la lave monte, c'est un peu la merde pour choper le cadeau. Ok, le Shy Guys. Merci. Putain. Attendez, on va attendre tout ça à droite, voilà. Merci, on a du coup le deuxième petit cadeau. Ah mais c'est bon, allez, avance. Oh là là. Tac. Ok. Dégage-toi. Ah, je l'ai pas mis au bon endroit, mais... Ok. Super. Ah, vous pensez qu'on peut le prendre, le machin? Je sais pas, on n'a jamais testé d'essayer de prendre. Je me suis dit, peut-être il faut aller se dépêcher. On va essayer d'essayer de le prendre. Aïe, 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 aïe. Vas-y, viens. Ok. Oh, on va pas tester sur eux, mais... Par contre, toi, tu dégages. Au bout d'un moment, toi aussi, tu vas dégager. Voilà. On peut mettre en dehors du décor, mais je savais même pas. Mais attendez, voilà, on a juste à sauter sur eux, mais oui, mais... La hitbox du machin est assez grande pour pouvoir choper le cadeau. Aïe, 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 aïe. Décidément. Décidément. Je vois pas pourquoi je mets à 55, ça reste à 56, c'est incroyable. Le son du jeu. Parce que c'est con, mais un cran de moins, ça fait la différence. Alors, du coup, let's go. Pour le cinquième niveau. Pas ce niveau. Ok, un cadeau. Oh là, ça pue la lave qui va monter, vu la lave comme elle est loin, quoi. Ok, donc un, il y a la clé là, donc la clé tu fais ça, tac, pour choper le cadeau.
Faut choper le cadeau. Non, d'abord faut choper le cadeau, puis après choper la clé. Hein. Voilà, je m'en doutais. Bah, il n'y a pas à me prendre pour un con, quoi. La lave qui monte. Oula, oula, oula. Doucement, Azuric. On se précipite pas. Pas la peine de se précipiter, d'accord? La lave qui monte. Et ça monte, ça monte. Ok, deuxième sous-niveau. Oh putain, la lave qui va monter, ça pue du cul aussi. Ok, donc là il y a un cadeau là et il y a l'autre cadeau là-bas au fond. Ok, donc là il faudra juste ajuster. Ah putain, mais dites pas que la lave va monter avec ces bâtards. S'il vous plaît. Non, j'avais oublié que ça s'arrêtait pas. Oh là là, non mais vraiment, ça me, j'oublie totalement pour moi dans un, c'est logique que ça s'arrête. Dans les jeux Mario ou quoi. Oh là là, je vous jure, non mais se faire baiser pour rien, c'est incroyable. Et parce que t'as pas le temps d'aller à la réflexion en fait. Ok, donc ça. Ok. On a tous les cadeaux. Aïe aïe aïe. Allez. Ça serait bien un petit sous-niveau, enfin un petit niveau level up. Enfin, ouais, one up quoi. Ça serait bien. Bon, je pense qu'on peut confirmer qu'on finira le monde aujourd'hui. C'est déjà très bien, en soi. C'est parti pour le sixième. Avec le truc de Mario Bros. Wonder. Ah, je sais pas si, vraiment ils sont apparus la première fois là-dedans, mais moi c'est la première fois que je les ai vus. Alors, ça fait peut-être trop longtemps sinon que j'ai pas changé Mario, mais sinon. What the fuck? D'accord, donc la lave est inversée. Ah, bah là, je suis. Ok, petit à petit, le niveau, le monde se découvre. Ok, donc si ça s'arrête là, ça veut dire que, à mon avis, c'est la dernière phase. Voilà, je m'en doutais. Par contre, me dites pas que ça remonte, hein. Ah, je me disais, si ça remonte, comment dire, on est un peu baisé, quoi. Continue à descendre. Ok. Bon, on aura fini ça. Ah, parce que je me suis dit, si ça remonte. Mais je suis con. Oh, yo, yo, non, mais vraiment, je suis Azuric. Je sais pas, la lumière tous les étages. Hein. Merci. Aïe, 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 aïe. Fallait pas que j'active l'interrupteur. Ah, si ça remonte. D'accord. Ça remonte, ça remonte. Vite, run away. Run away. Ah oui, ça remonte. Bah oui, d'accord. Quelle idée. Ok, il y a l'autre cadeau. Oh, l'autre cadeau. Oh, j'espère que ça va pas remonter. Oh putain, j'ai failli vraiment me manger parce que je me fais démarrer à cause de lui là. Ok, par contre, l'autre cadeau, il est où? Ok, il est en bas à droite. Là, il y a une vie. Ok. Tac, merci. Seconde phase du niveau. Oh putain, il a pas voulu s'accrocher encore une fois. Ça me rend fou cette histoire. Que le truc ne s'accroche pas. Je pensais que j'allais tomber dans le vide. Concrètement, donc c'est pour ça que j'ai maintenu le joystick à fond. Aïe 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 aïe. Concrètement. Non mais ça me refait le même problème. Je mets le joystick pourtant vers le haut pour que je m'accroche. Et il veut pas s'accrocher. Je mets pourtant le joystick vers le haut. Hein. Je comprends pas. Là, je comprends pas pourquoi ça s'accroche alors que ça veut pas s'accrocher. Est-ce qu'il y a une genre de. Enfin, genre de pour éviter de tricher. Voilà, là, ça veut s'accrocher. Ça fait depuis genre 20 minutes. Enfin, j'abuse, mais depuis tout à l'heure que j'appuie sur le bouton. Oh, mais putain, mais je suis vraiment abruti. C'est de par-dessus qu'on peut le truc. Ah, moi, ce concept de jeu, ça, c'est un truc que j'arriverai pas. Hein. Ce concept de jeu où la chose la plus évidente pour toi, et même que dans les autres jeux Mario que tu peux faire, qui est pas pareil dans ce jeu Mario-là. Parce que dans un jeu Mario Odyssey, tu peux sauter sur les ennemis. Sur tous les ennemis, d'ailleurs. Même sur des ennemis à pic ou quoi que ce soit. Hein. Tant que t'es protégé par Capi. Hein.
Aïe 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 aïe. Ah là 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 là. Putain. Oh, j'en ai ras le bol de me faire baiser comme ça. Oh putain. Merci. Ah là là. Ah, ça c'est un jeu de rage surtout parce que il y a des fois où tu te dis c'est pas de ta faute quoi. Parce que dans les jeux Mario, t'as jamais habitué à faire ça quoi. C'est ça qui est dingue. Ah putain, j'allais. Parfait, il est tombé. Alors là, j'étais totalement prêt à sandwich. Hein. Là, je pouvais rien faire. Aïe 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 aïe. Oh, ce monde-là, il nous pose des problèmes. Hein. Ce monde-là, il nous pose beaucoup de problèmes. Allez. Non, mais vraiment. Non, mais c'est quoi cette hitbox? Non, mais clairement. Ah non, là, ça devient plus plaisant. Là, je vous avoue que ça devient plus trop plaisant, là. Concrètement, là, je m'amuse plus, là. Il s'est pas accroché. Non, mais concrètement, il s'est pas accroché. Je mets le joystick vers le haut, il s'accroche pas. Ah, ça, c'est un. J'ai l'impression qu'il y a un défaut hein, dans ce jeu-là, sur ça. Ah putain, non mais sérieusement quoi. Et même les sauts, comment, j'ai sauté comme tout à l'heure quoi, je comprends pas. J'ai l'impression que c'est du random, non mais concrètement. Hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de random dans les sauts. Allez. On va attendre que la flamme. Voilà. Juste pour savoir. On peut pas les prendre, on peut pas les prendre, d'accord. Au moins, je le saurai. Bah, finalement, je pense qu'on n'aura même pas le temps de faire un niveau du monde 4. Hein. Je vous le dis. On n'aura clairement pas le temps de faire un niveau du monde 4. Hein. Parce que le boss, à mon avis, ça va être un truc encore basé de la RNG. Ça va être full RNG. Ouais, un truc de vie. Enfin, c'était pas trop tôt. Merci le joystick. Je comprends en fait, ça vient de mon joystick à moi en fait. Ça vient de mon joystick à moi en fait. Et du coup ça va m'annuler le niveau 1-up, c'est ça? Ah non, ça va. Aïe 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 aïe, merci. Vraiment c'est... Oh. Oh ta mère. Oh c'était méchant la clé. Comment tu vas la choper toi? Ah on va pas réussir à la choper. Si. Mais ça sera trop tard. Oh putain. Oh 2 secondes. Oh putain. J'y croyais pas. Ah, j'y croyais pas, concrètement. J'aurais pas mis une pièce là-dessus. Hein. Allez, c'est parti pour le mini-jeu. Enfin, le jeu mini Mario. Le jeu avec les petits mini Mario. Pitié, pas là qui monte, s'il vous plaît. Oh putain, c'est vertical. Donc la lave va monter. Ok, pas le choix d'activer ça déjà. Voilà, vas-y, chope la petite lettre. Ensuite, ça servira à rien de sauter là-dessus. Oh, super. Et t'as pas le choix en fait. Donc là, tu fais ça pour protéger. Ok, je viens de comprendre. Ah putain, mais venez. Voilà. Allez. Venez. Pas le choix.
Ok. Merci. Jaune. Rouge. Venez. Attendez. Le bleu. Merci. Et comme ça, on peut... Bah, ils peuvent rentrer à la maison. C'est bon. On les a tous, là, normalement. Et voilà. Heureusement qu'il n'y a pas des bonus temps comme dans Captain Toad. Hein. Oh là 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 là, ça nous aurait bien fait chier. Oh. Et encore, je dis ça, mais attention, parce que dans Captain Toad, ça se dévoile quand on a fini une partie du jeu. En tout cas, le monde 2, enfin l'épisode 2, je crois, ou l'épisode 3. Donc on n'est pas à l'abri qu'ils nous font un truc comme ça. Hein. Allez, c'est parti pour le boss. Bah, c'est sur de la foule RNG. Alors, comment on fait pour le baiser, tiens? Essayer d'être tendre. Oula, super. Je connais pas la strat du boss, donc. Et ça fait quoi? D'accord. C'est juste ça, t'es sérieux là? Mais c'est un bâtard! Ok. Je vais éclater mon crâne. Sérieusement, quoi. Bon, vu qu'on s'est fait toucher, vous savez quoi, on va quand même reset, hein. Comme ça, au moins, on s'assure qu'on a l'étoile dorée à chaque fois. Vas-y, vite, dépêche-toi. Première fois, ouais, alléluia. Oh là là. Donc là, il va appeler le... Voilà, ah non, je pensais qu'il allait... Ok, bon, deuxième... Tout mon left. Là, le tonneau va se mettre bien. Donc là, voilà, il va activer la lave. Ça saute au bon endroit. Parfait. Ok, one more left. One more left. Il est vénère. Là, ça s'accélère. Léré. Super. Il fallait pas que je me mette dessus. Il fallait pas que je me mette dessus lui. Aïe, 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 aïe. Non, mais catastrophe. Une, deux, trois. Donc là, on va pouvoir l'avoir une première fois. Première fois. Donc faut pas que je me mette dessus lui. Hein. Ok. Deuxième. Merci. Putain, la RNG était bonne parce que il a mis la boule de feu de l'autre côté. Oh le bâtard. Troisième. Ok. One more left. Oh putain. Ok. Non, tu mourras pas. Yes, on l'a eu. On peut même commencer le monde 4. C'est bien. On peut faire au moins le premier niveau pour découvrir le monde 4. Ça, c'est bien ça. Oh putain, ce monde-là, il aurait été un bon boss. Ça, le boss. Ouais, le boss aurait été un peu basé aussi sur la RNG quand même à certains moments. En fait, ce jeu est beaucoup basé sur de la RNG. C'est triste, hein. Félicitations, vous avez terminé le monde montagne de feu. Wouhou! Here we go. Bon, écoutez, au moins c'est fait. Et le Mirifique Miniland. Ok, un truc basé sur le parc d'attraction. Le monde. J'ai l'impression que vu l'avancée qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a au moins peut-être 10 mondes, je dirais, au total. Donc on se rapproche déjà de la fin du jeu pratiquement en fait. Mirifique Miniland, c'est parti, on va pouvoir découvrir ce monde-là. Et du coup, certainement des nouveaux ennemis, etc. Des nouveaux éléments de gameplay. Alors. Oh! Oh, mais comme dans Super Mario RPG! C'est génial. Ah, et du coup, en fonction des fleurs, genre par exemple ça, voilà. Ça va faire souffler le cadeau ou pas? Comment on fait pour choper le cadeau du coup? Non. Ah, je viens de comprendre, c'est très intelligent. Regardez, tac, et voilà. Oh, c'est magique! C'est très magique! Donc là, on va pouvoir récupérer ça. Ok, on fait ça. Ok, j'ai trouvé ce qu'il faut faire. Ça. Et voilà. Putain, on peut même faire le. Allez, on va faire le deuxième niveau. On est chaud, on va faire. Ah! Le 2. Ah, est-ce qu'on va finir? Ouais, je sais pas. Non, je pense pas finalement.
Si on est chaud, on va peut-être finir avec le son niveau. Ok, le mini Mario là. Ok, le truc est là. Putain. Et là, il n'y a pas moyen de le skip. Non, il n'y a pas moyen de le skip, évidemment. Il n'y a pas moyen de le skip. Donc, on est obligé de désactiver. Ok, par contre, ça, pas besoin. Tu fais ça. Tu fais ça. Déjà, pour avoir le troisième cadeau, c'est fait. Par contre, toi, tu vas me gonfler. Dégage. Merci. Ok. Bon, on va pouvoir s'arrêter là après. Oui. Au moins, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Tout simplement. Pour cette semaine. C'est très très bien. Mirifique Miniland. Bon, écoutez. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera pour l'épisode prochain, l'épisode 5, dans lequel on continuera Mirific Miniland. Ça a l'air d'être un monde sympa, concrètement. Donc il se peut qu'on le finisse même dans l'épisode prochain, si on gère bien. Il se peut qu'on le termine dans l'épisode prochain, parce que ça a l'air d'être un monde un peu plus pacifique comparé aux autres, tout simplement. Donc voilà, donc écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Voilà, on sera du coup à l'épisode 5 dans l'épisode prochain, je pense concrètement. Et je vous ai dit peut-être l'épisode 20, je suis même pas sûr concrètement. Parce qu'en fait, le jeu, il a l'air d'être court. Vous avez vu la barre en blanche en bas? On était au monde 4, on a déjà pris un tiers de la barre. Donc il se peut qu'on le finisse d'ici 15 épisodes en fait. Enfin, à l'épisode 15 quoi. À l'allure où on va, il y a une probabilité qu'on finisse à l'épisode 15 quoi. C'est triste parce que je pensais que c'est un jeu qui allait être quand même un peu plus... Certes, je m'attendais pas à Mario Odyssey, hein. Mais je veux dire, je pensais que ça allait être au moins autant long que Mario Bros Wonder, vous voyez. Mais non, ce n'est pas autant long que Mario Bros Wonder, j'ai l'impression. Bah après, c'est un petit jeu Mario, hein, de base, hein. Ils ont mis quoi, je crois, ils ont mis à peine un an de développement, il me semble, à peine à le first remake. Mais donc, du coup, voilà, quoi, certes, ils ont ajouté peut-être des mondes en plus, mais... Voilà, j'ai l'impression que le jeu va être, concrètement, va être assez court. Va être assez court. Bon, écoutez, ça va se tenir, du coup, pendant peut-être la période estivale. On verra, un petit peu. Allez, du coup, d'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.